on a retrouvé du plaisir de jouer, on a retrouvé du plaisir aussi à dominer dans les secteurs, tous les secteurs. Et là, on a vraiment vu une belle équipe de Lyon. Et maintenant, j'espère que celle-là va nous forger pour aller à l'extérieur. On l'a vu ce soir, c'était devant, on savait que c'était devant que ça allait jouer, mais on a pu dominer Castres et là maintenant on sait que si devant on passe à côté, on pourra pas gagner. Un plaisir de soi-même, un plaisir de nos collègues aussi, quand ils font une belle action, même quand il y a eu des fautes, on a vu une équipe qui s'encourageait. On a vu une équipe qu'on baissait pas la tête. Force est de constater que voilà, ici on a cette force de caractère, on a cette capacité à s'engager, à ne pas lâcher, à aller chercher sur ces deux dernières réceptions un bonus dans les arrêts de jeu. Défensivement, on a été très bien sur la largeur, très bien sur les circulations et dans les duels. On savait que c'était une des équipes qui franchit le plus du championnat et qui fait le plus de offload. Et sur ces points-là, on a été très performants ce soir, énormément de solidarité. J'aurais bien aimé qu'on prenne zéro essai, on en a pris un. Et après, offensivement, on a encore une fois réussi à remettre de l'avancée. Dès qu'on met de la vitesse, on est en capacité de bouleverser toutes les défenses. Donc, ouais, beaucoup de positifs. On a eu un petit trou d'air sur la conquête et les avants ont eu à cœur de finir le boulot. Ce soir, les avants ont fait un gros boulot aussi, même s'il y a eu des imperfections. Il faut saluer ce travail. Si on reprend et qu'on prend un peu de hauteur sur le bloc de 4, sur les trois dernières réceptions ici, on a été performant devant et on a gagné les matchs.